organisme non et mandé tout monde qui gen zam illégal nan men yo k'ap simen la troublaille nan pays a surtout nan rentre sud capitale là n'a cité pour observer yon trêve pour permettre autorité porter service de base nan zone ça et surtout nan moment covid 19 là yon parole qui département ak ministre justice ak sécurité ak te bay moun nan zone nan ki pa impliqué nan gang nan village de Dieu 72 heures temps pour te quitter zone nan et te laisser quoi que pral gon opération pral mené mais kounye la porte-parole NDDR là li même c'est dans temps pris souple lié la mande nèg ki gen zamyo pour faire une trêve et pendant que li dit trois parmi 11 fournisseurs zam ak munition illégal yo c'est NDDR te dit te identifié dans pays a à répondre question la justice selon porte-parole commission nationale désarmement Jude Jean-Pierre qui te parlé comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoy. Parmi 11 fournisseurs que nous avons cité, il y a deux qui sont en prison, 3 déjà emprisonnés, permettent que je ne pas révéler l'action qui vient pour mener, mais au fur et à mesure que le processus de démantèlement de fournisseurs a avancé, même si nous ne pouvons pas avoir tout le détail, mais nous sommes certains que sur 11 fournisseurs que nous avons mentionnés il y a de cela quelques mois, il y a 3 déjà qui sont emprisonnés. Nous compilons l'information pour que l'État vienne mettre main au collet de ces bandits, mettre main au collet de ces fournisseurs, parce que le trafic, ça a servi de faire l'argent, mais pendant que nous avons fait l'argent de manière illicite, mais qu'en pile vie qu'a détruit à travers marché ça que monsieur yo décidé que il a alimenté dans la vie nationale. On parlait de trois qui déjà journaliste station yo, mais c'est Abilako la presse au courant qui journaliste station. Gen l'autre monde encore c'est qui est soulevé parler monde ça. Effectivement, dossier ça c'est des dossiers assez sensibles. Nous pas voulu traiter tout détail de opération activité CNDDR yo à travers la presse pour pas fragiliser résultat parce que t'as pour moi mes élites. Population son seul bagaille la peine dans mes l'état dans le CNDDR pour que la paix retourne dans le pays, pour que l'investissement soit capable de garantir création de richesse, création d'emploi. Et c'est vers ça pour aller méthodologie, opération, nos fournisseurs capables d'intéresser l'autre monde. Nous-mêmes, nous toujours prêts pour que le travail nous fait nos niveaux de transparence. Nous quittons ça, le soin à la justice et à l'autorité policière, il y a communiqué ensemble des formations. Nous-mêmes, nous étions pour que le travail pas nous, son travail qui visait à réduire la violence dans la communauté ou bien finir avec définitivement, permettre que l'État arrive des contrôles de question armes à feu qui en circulation dans le pays à travers institutions légales qui déjà établies et dégager une politique publique à travers stratégie nationale de protection, stratégie nationale de désarmement. Stratégie nationale ça déjà élaboré comme politique publique capable de permettre que des forums qui va l'organiser côté chaque monde pour le cadre disons par eux comme sociologue comme psychologue comme criminologue comme avocat juriste comme politicien comme politologue pour yo vinn débattre sous document ça que nous conseil comme politique publique c'est vers ça nous pour aller et nous très peu intéressés à chaque fois que final est un monde pour l'objet cité non effectivement Kabila quoi tu te fais la chronique mais nous pas prêt chaque fois arrêter un monde faire un ensemble de publicité autour de l'arrestation. Parce que l'idée, c'est pacifier le pays. Nous-mêmes, dans le CNDDR, là, qui rôle nous jouer dans ce qui a passé, dans la troisième circonscription de Port-au-Prince, pour nous arriver, éviter pour nous gagner une situation qui peut dégénérer. Le rôle de notre situation, ça, c'est Jean arrêté présidentiel qui était institué CNDDR là ou bien réactivé CNDDR là. Il est très clair, CNDDR là son organe technique, son organe décisionnel, son organe de coordination. Et comme organe de coordination, je dis à nous, voulons lancer un appel à monsieur qui vient d'amener dans le quartier populaire pour nous dire que il y a un pile monde qui est dans la communauté ça yo. Qui est capable d'infecter ou affecté par pandémie COVID-19 là et qui a besoin de soins. Même si vous n'avez pas infecté ou affecté par ça, mais le fait que vous confinez, il y a besoin d'accès à l'eau potable, il y a besoin d'accès à la nourriture et dans un programme d'assistance sociale que l'État ou bien société civile ou bien acteur international la mettre en branle pour porter assistance par la population, il y a un pile quartier qui nécessite la paix pour que équipe Capvin fait distribution de rations alimentaires, Capvin fait distribution de cache-nez, il y a besoin en zone qui sécuritaire. C'est peut-être ça nous demander pour qu'on trêve. Et nous faisons appel à un trêve à monsieur qui est en conflit armé. Voilà, c'est porte-parole CNDDLA et Jude Jean-Pierre qui t'a parlé comme ça dans le micro Vladimir Maurice Ridoé. Commissaire gouvernement AI Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, fait qu'on est paquet à déjà recevoir ordonnance juge instruction Berge au surpris
qui t'a mené enquête sous dossier affaire accusation et trafic d'armes contre Abi Lanko. Dans l'interview li bay Radio Kiskeya jodia, chef parquet AI Capital la fait connaître dans ordonnance tam et juge instruction voyé Lanko à juger devant tribunal correctionnel. Selon commissaire gouvernement AI, il dit c'est loi spéciale 7 juillet 89 l'an qui ba juge instruction pouvoir pour li voyer détenu à juger devant tribunal correctionnel. Commissaire gouvernement AI M. Jacques Lafontaine déclaré parquet a pas attaqué ordonnance là parce que loi prévoit une peine 15 ans et pour moun y a jugé a. Il dit parquet a prend décision pas prend décision parquet prend décision ça de préférence parce que malgré c'est devant tribunal correctionnel qu'après juger mais c'est à une peine criminelle d'après ça l'affirmer. N'attendez maître Jacques Lafontaine commissaire gouvernement AI dans tête paquet Port-au-Prince qui t'a parlé comme ça concernant question zam nan toujours dans micro Vinay Joseph. Monsieur Lacroix, je crois que le juge instructeur a déjà rendu son ordonnance de clôture. Donc, il conclut en renvoi au correctionnel et que nous autres, c'est dans face à dossier et que la surcoursée. Parquet a déjà reçu l'ordonnance, là, juge là. Nous avons déjà reçu l'ordonnance et que nous gardons pour le moment de tout commentaire, et, mais on va le connaître prochainement de quoi il en est. Est-ce que selon la loi, infraction et la cour fait qui gagne détention illégale d'hommes avec munitions, est-ce que c'est des faits correctionnels? Oui. Écoutez, à la vérité, il y a une loi qui fait de armes de guerre, il y a un crime. Il y a une loi tout spéciale, quoi, c'est 7 juillet 89, qui est fait de armes ça autour de il est capable de ordonner de renvoi correctionnel, mais peine qu'on prévoit dans la loi spéciale là, ils sont peines criminelles. Ils sont peines criminelles. Bon, c'est 15 ans, il y a 15 ans là-dedans. Donc, c'est bien 15 ans, ils sont pas même criminels quand même. Donc, voilà pourquoi nous, stratégiquement, nous pas faire appel ordonnance, parce que non seulement, vous remarquez que même quand le cas juridique fonctionnel, le cas pour peine qui, on peine jamais, on peine criminelle, ou peine maximale à 15 ans, on peine criminelle. Donc, stratégiquement, de manière procédurale, et nous te dit, nous pas faire appel et nous quitter le dossier à suivre femelle. C'est juge belge au surpris qui t'a apporté la justice. Je crois, oui, c'est juge belge au surpris. Nous félicitons juge belge de ce que nous avons un délai raisonnable, nous avons donné un délai et la loi fixée pour ça. C'est pas une contradiction dans la loi, parce que il y a une loi qui dit que ça a repos Herbi Lacroix ou qu'a criminalisé, alors que il y a une autre loi encore qui dit qu'a correctionnalisé. Non, il n'y a pas de contradiction parce que vous êtes aussi avocat, vous êtes Villers, et il n'y a pas de contradiction parce que justement, vous savez que la loi, les lois spéciales dérogent aux lois ordinaires. Donc, la loi, ça a aussi été à 7 juillet, sur la spéciale. Donc, en principe, il dérogeait aux lois ordinaires. Donc, il n'y a pas de contradiction possible. D'accord? Mais pourquoi il y a une date qui nous retenu pour nous faire audience correctionnelle, ça, pour Herbi Lacroix à juger? Non, nous n'avons pas de date pour nous présenter. Maintenant, commissaire gouvernement AI Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine. Il n'y a pas toujours dans le micro Vinay Joseph, M. Lafontaine, fait qu'on ait sorti 20 mars pour arriver, je ne veux dire, paquet. Déjà, la guerre environ 138 personnes dans quatre batailles Lydie l'a mené pour désengorger prison, yo, pour éviter que le coronavirus n'a pas gagné. Et selon le commissaire gouvernement AI Port-au-Prince, non. Parmi les gens qui jouent la libération, il y a 7 femmes et 11 personnes. Et ils font connaître la décision de prendre et paquet en tête ensemble avec OPC, BINU et avec doyen tribunal et Port-au-Prince. Ils précisent qu'il y a paquet à travail sur la liste de gens qui ferment en prison et qui doivent jouer la libération selon 6 critères ministère de la justice établi. N'attendez maître Jacques Lafontaine, commissaire gouvernement à in tête paquet Port-au-Prince, toujours dans micro Vilner Joseph. Le 21 mars à Jodia, nous libéré plus de 139 monde dans prison 1, dont 7 ou 8 femmes, 11 mineurs
et reste chez les garçons. Maintenant, on connaît bien que tu as une cellule qui est montée en commission, qui est composée de parquet, OPC, BIMU, DECRECANA aussi. Nous sommes capables, comment tu es capable d'appliquer l'instruction, nous te recevoir de ministre sur ensemble de critères au nombre de 6. Et critères, ça aussi là même pour être capable de libérer des gens dans la prison. Pour éviter propagation COVID-19. Mais entre-temps, avant même nous arriver dans la phase d'âme, il y a deux dernières rencontres qui sont faites sur lui, et qu'à partir de aujourd'hui, là, on a finalisé le liste. Mais avant, nous avons travaillé sur des cas qui étaient par exemple nos camineurs, nous avons fait la diaspora pour nous faire une audience correctionnelle spéciale pour eux. Et donc, nous sommes arrivés libérés sans plus que 149 dollars. Donc, moi-même, des Canards, nous entendons. Prochainement, nous allons commencer, dans qui mesure nous allons organiser une session spéciale criminelle pour nous multiplier audiences pour que nous soyons capables de blaguer de manière professionnelle à une décision de justice. Alors, vous parlez de mon liste, nous avons finalisé aujourd'hui, pour nous garder les gens qui sont en prison. Est-ce que nous allons faire audience pour eux ou bien c'est des gens qui nous arrêtent pour nous garder le dossier et puis nous disons que nous méritons de rentrer la caille? Il y a des gens qui ont libéré plus simplement. Par exemple, il y a des cas. Il y a des cas, mon critère qui dit, si nous avons 10 ans et autre que crimes et infractions, ça m'a cité là. Par exemple, détention également à feu, vol à main armée, meurtre, assassinat, enlèvement, kidnapping. Si nous n'avons pas commis viol sur mineur, si nous n'avons pas commis crimes et infractions, ça m'a fait 10 ans sans même aucune autorité, pas tendre, aucun acte n'a été posé par rapport à Cali, que nous capables de nous appeler simplement. Mais en dehors de cas, ça, M. Doulayo, le cas, par exemple, si nous n'avons pas fait une infraction, il y a une garde de infraction, ça, les couvert là, il a baillé, c'est 3 ans comme peine. Et puis, nous avons 5 ans en prison. Donc, son monde qui, plus simplement, nous avons de l'air. Ok, autre que ça, M. Doulayo. Mais à part de ça, là, c'est des sièges, nous allons faire une audience constitutionnelle, nous commençons déjà, audience criminelle, nous allons multiplier. Qu'on est capable de faire en sorte que son décision de justice qui mérite de l'air. Alors, débat, les critères au nombre de 6 suivant l'instruction de recevoir dans le mini-justice là, qui ça y est? Bon, je passe tout un tête là pendant ma parole, je passe au vieux, même cas de par exemple, critères liés à l'âge. 65 ans, on monte à gagner, en prison 6.